Et salut à tous les amis, c'est Sarenik. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'aventure de Ratchet & Clank. Donc c'est parti, on est à Novalis. Une On minute. y va. C'est du raritanium? On devrait peut-être améliorer nos armes. Utilisons ce vendeur et profitons-en. Ok. C'est ici que tu choisis ton arme. Je vais te montrer comment faire avec une des miennes. Il va te falloir du raritanium, mais pour l'instant, on va utiliser le mien. Il te suffit juste de choisir une cellule. Ces éléments forment une chaîne. Vas-y, complète-la en entier. Tu n'as plus qu'à confirmer la transaction et c'est dans la poche. Hey, tu as entouré un ensemble mystère. Ça va te donner un sacré boost. C'est vraiment pas sorcier. Essaie avec une de tes armes. Ok. Excellent choix. Ok. Allez, c'est parti. Par où il faut partir? Par ici. Waouh, il y a beaucoup de méchants là. Votre attention, citoyens. Comme vous l'avez sans doute remarqué, je suis une petite invasion de rien du tout. Toutes vos équipes font de leur mieux pour joindre les blagues afin de trouver une solution facile. Et en attendant leur réponse, il est plus raisonnable de rester. Aïe. Oh, je suis KO. Nous sommes toujours sans nouvelles de votre part quant à cette regrettable décision. Je pensais que vous aviez un problème technique de votre côté, alors j'ai décroché le téléphone pour voir s'il fonctionnait bien. Ensuite, j'ai demandé à un ami de m'appeler pour m'assurer que le service n'avait pas été interrompu. Tout marche à merveille chez nous. Alors passez-nous un petit coup de fil dès que vous en avez l'occasion. Ok. Une statue de Cora Vérolux.
C'est la plus jeune recrue jamais engagée par les Rangers Galactiques. Oh non, je suis à sec. Mais la personne à l'autre bout a raccroché. J'ai pensé que c'était peut-être l'un de vous. Je pense qu'il serait prêt à abandonner le retour de la paix pour notre... Oh non, mais non. Ah. Ok. C'est une statue de Cora Vérolux. C'est la plus jeune recrue jamais engagée par les Rangers Galactiques. Ennemi à terre. À mon avis, c'est pas fini. Ok. Ok, très bien. Oh non, il en vient d'autres. Ça doit être le vaisseau du maire. Ceci est un message pour les Rangers Galactiques. Je vous en prie, nous avons besoin d'aide. Ici à Nyog-Buckwash, le maire du cratère de Tobruk sur Novalis. Le maire Buckwash n'a aucune chance si on ne l'aide pas. Ok. Y'a quelqu'un? Est-ce que je peux sortir? Merci, merci. J'ai vraiment...
vraiment cru qu'on allait y passer. Nous sommes ravis d'avoir pu vous aider. Mais pourquoi Drake essaie-t-il de vous tuer? Il s'agit de mon neveu, Skid McMax. Attendez, Skid McMax, le grand overboarder? Il m'a envoyé cet info-robot depuis Aridia et les blagues ne m'ont plus lâché après que je l'ai reçu. Tenez, regardez ça. Salut, oncle Bugwash. C'est moi, Skid McMax. Tu te souviens, ton neveu? Mon agent et moi, on est au super événement du paradis du sport de Skid McMax sur Aridia et on s'éclate. C'est un truc de malade. Non mais tu verrais, je rencontre toutes sortes de gens. Des fans, des vedettes, mes sponsors de chez Gadgetron. J'ai même signé des autographes à ces drôles de créatures appelées Blarg. Je sais même pas trop ce qu'ils font ici sur Aridia. Attends une minute. Moissonneur hydraulique, dispositif de transport d'eau super illégal. Je crois que je suis pas censé avoir ça. Arrêtez-le! Il a les plans avec lui! Allez, vite! Appelez mon agent! Appelez mon manager! Non, en fait, ne les appelez pas! Appelez plutôt les gens qui tiennent vraiment à moi! Je ne peux pas mourir! On dirait que Skid McMax a des ennuis. On doit aller sur Aridia. Très bien. Eh bien, mais on doit d'abord réparer notre vaisseau. Ouais, d'accord. Voyons si on peut trouver de l'aide. Votre attention, citoyen. Votre maître est sain et sauf. J'ai été sauvé par un héros à fourrure et son ami robot. Je suis à nouveau disponible aux heures du bureau habituel, soit un mardi sur trois de 10h à 10h30. Hop. Alors, on va reprendre des munitions. Hey, tu cherches des armes? Entre dans mon bureau. En fait, j'en ai pas, mais j'en aurais peut-être un si vous parlez. Mince. Allez, hop. Hey. C'est quoi ce truc? Il semblerait que ce soit des amibes. D'après mes bases de données, elles ont été créées par Drake Industries pour aider les robots de guerre. Ok, très bien. Retenant son souffle, notre lombax intrépide plonge dans les profondeurs de la profonditude. Ce n'était pas faute d'essayer, mais Ratchet ne pouvait pas résister. Oh! J'avais pas vu qu'il y avait la jauge. Ok, très bien. Préparez-vous. Ça ne s'arrête plus. Allez. Ah.
joué. Ok. J'ai pas vu le trésor. Là, on est dessus. Et il n'y a pas de trésor. Non, là, c'est juste une flaque d'eau. Et en l'air, il n'y a rien. Ça, on peut rien faire. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Ah, ou alors c'est l'autre côté? Non? Non, non, il n'y a rien. Allez, c'est pas grave. Hop! On achète les munis. Et non, c'est pas par là. Ah ben, par là, on n'est pas allé. Collection de cartes. C'est quoi ça? Ici Al, tu viens tout juste de collecter ta première holocarte. Tu peux collecter les holocartes une à une en battant des... Ou alors tu peux explorer des zones secrètes dont l'objectif est de réunir une série complète d'holocartes. Super clé 8000. Ok. Encore et encore. Non mais sérieusement, pourquoi ils sautent comme ça? Lombax en vue. Autant dire que je suis tombé et que je dois tout remonter. Thank you.
Hop. Tu viens le faire monter. Ok. Il y a assez de boulon pour acheter un tambour à proton. T'en veux pas? Allez. Caboche aurait besoin d'être affichetolé. Bref, j'essaie d'envoyer un appel de détresse au Roger Galactique depuis que l'armée de Drake a débarqué. La région tout entière est prise d'assaut par les navettes Blarg. On doit vous sortir de là. Eh bien, je ne pourrais aller nulle part comme je n'aurais pas remis cet info-robot au Capitaine Quark. Nous allions justement le voir quand notre vaisseau a été abattu. On pourrait y jeter un coup d'œil? Oui, pas de problème. Je l'ai piqué à un de ces soldats Blarg. Et voilà. Oh, tiens, bonjour. Je suis Alonzo Drake, le président de Drake Industries. Vous vous demandez certainement pourquoi 300 robots de guerre armés jusqu'aux dents marchent d'un pas menaçant vers un croiseur de classe G. La réponse est très simple, chers amis, pour le progrès. Il y a des années, nous avons dû nous réfugier sous terre pour échapper à la pollution attribuée abusivement, mais néanmoins à juste titre, à l'entreprise de mon père. Depuis lors, nous avons délaissé la robotique pour nous consacrer à la création de planètes. Maintenant que notre projet touche presque à sa fin, nous devons faire tout notre possible pour respecter nos délais. Dans ce cas précis, cela signifie que notre sympathique armée de robots de guerre doit vaincre tous ceux qui voudraient s'opposer à nous. La bonne nouvelle? Nous allons les prendre par surprise! Alors laissez-vous aller, détendez-vous et réjouissez-vous, car vous savez que Drake Industries travaille pour vous! Drake Industries ne travaille pas pour vous. Vous avez un petit problème de transport, à ce que je vois. Et si je vous retrouvais à votre vaisseau, on va le retaper et vous pourrez décoller. Ok. C'est moi ou ce type vient de se jeter dans les égouts? Eh bien, ça a l'air d'être le moyen le plus rapide de descendre. Essayons. Putain, il y a des caisses d'abord. Mortel. Tu veux recommencer? Ok, voyons un peu ce qu'on a là.
Et c'est ainsi que Ratchet et Clank partirent réparer leur vaisseau avec l'aide du plombier. Ils étaient loin de se douter qu'ils allaient bientôt côtoyer le sublime, qu'ils allaient entendre ses puissants muscles craquer. Mais d'abord, ils allaient devoir affronter un T-Rex zombie mangeur de cerveau. Eh, oh, pas si vite. J'ai pas souvenir d'un T-Rex zombie mangeur de cerveau. Ok, ça va. Rabat-joie. Bon, tout a l'air d'être en état de marche. Promettez-moi de remettre cet info-robot au Capitaine Quirk. Je vous le promets. Merci pour votre aide. Pas de problème. On se voit dans le prochain remake. Ok. Eh ben, allons-y. On entre dans le vaisseau. Ratchet et Clank découvrirent que leur vaisseau réparé disposait désormais d'un ordinateur de navigation dans l'hyperespace dernier cri. Direction Kerouan. Ah mais non, c'est pas le bon truc. On doit se débarrasser de ce transport. Capitaine, un vaisseau non identifié est en train de nous venir en aide. Transport détruit. Ouais. J'ignore qui vous êtes, mais merci. Ok. D'autres transports. Ces transports sont en train de larguer des robots de guerre sur toute la ville. Alors là, sûrement pas. Transport Blark détruit. Il a détruit un autre vaisseau. À celui qui accomplit des un autre transport en moins. Il semble qu'il ne reste plus que trois vaisseaux. Ouais, un autre en moins. Il n'y a plus que deux vaisseaux. Allez, boum. Ok. Active le turbo-aimant. Il reste assez de puissance pour ramasser d'autres robots. Vas-y. Ok. On va aller là-bas. C'est parti.
licence pour quelques robots si tu refais un passage. Allez, les robots de guerre, on vous renvoie chez vous! Il reste assez de puissance pour ramasser d'autres robots. On ne peut plus transporter de robots de guerre. Attends encore. Maintenant! Robots de guerre, largués! Ouais, prends ça! Je crois que le vaisseau de guerre a subi des dégâts critiques. Ouais, encore un coup et c'est bon. Active le turbo-aimant. Il reste assez de puissance pour quelques robots si tu refais un passage. Danger. Ouh là, ça craint. Danger. Je pense qu'on peut réparer notre appareil en utilisant les nanotechs que perdent ces vaisseaux Blarg. On peut en ramasser d'autres! Survole-les encore une fois! Ratchet, le vaisseau a subi trop de dégâts. Nous devons trouver des nanotechs. C'est parti! Vaisseau réparé. Il reste assez de puissance pour quelques robots si tu refais un passage. Ah. Ça ne va pas plaire à Monsieur Micron. Ah. Tiens-toi prêt. Lâche les robots de guerre. Salut. Boum. Ok, très bien. En gros, on vient de détruire notre vaisseau. Mais on devrait retourner au QG des héros. Hey, Ratchet, où t'es passé? Ta formation doit commencer dans quelques minutes. Désolé, alors, Brax, Clank et moi, on a eu quelques problèmes avec le vaisseau. On dirait qu'il y a encore quelques blargues en ville. On a dû les rater quand on a balayé le périmètre. Brax, va faire un tour au QG des héros pour vérifier qu'ils n'ont pas réussi à rentrer. Bien reçu. En attendant, j'ai un ami près de ta position qui pourra t'aider. Il s'appelle Al. Je voulais attendre la fin de ta formation pour te le présenter, mais autant le faire maintenant. Va le voir et demande-lui d'améliorer Clank. Si tu lui dis que c'est pour les Rangers, il ne devrait pas te faire payer. C'est le gars des holocartes, c'est ça? Ouais, on le connaît. Eh bien, les amis, pour tout vous expliquer... Vous voulez pas vous taire? Appelez les Rangers Galactiques. Aucun problème n'est trop gros et aucun n'est trop petit. Enfin si, certains sont trop petits. Il faut définir des priorités, vous savez. Si votre chat a disparu et qu'au même moment... Taisez-vous! Tais-toi, Quark! Tais-toi! Tais-toi! Je voulais vous expliquer. On va mettre pause. Comme ça, c'est plus clair. Il y a une cinématique, on a détruit le vaisseau, on a lancé les derniers vaisseaux, le vaisseau a explosé, on a atterri, on nous a félicité. Quark nous a engagé en tant que Ranger Galactique. Et ensuite, les Blarg ont posé une bombe sur notre vaisseau et notre vaisseau a explosé. Et là, du coup, je pense qu'on doit récupérer un vaisseau. Allez, on va se laisser là-dessus les amis. Merci à tous de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes car vous êtes super. Bye tout le monde. Yeah.